Ikasie nyepe na nyogrise meo Nyutu kamemba jara nyuse mao Zekameo Ikajobli mboku na nyogrise mikaya Surtout n'abandonne jamais mon Dieu Oh, n'abandonne jamais mon Dieu Mame ja Coméco, oh mon Dieu. Mame ja oh Zouzou, à Soaco. Et à Itoso, à Loulibamio, Magribodjanio. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu. Oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Nyepe nani yoglise mio Nutu kame bara jala nyuse mrao Zekame oye Eka jobli Boku Zajiba pese mikaya Surtout n'abandonne jamais mon Dieu Oh N'abandonne jamais mon Dieu Mame ja Coméco, oh mon Dieu Mame ja oh Zouzou, à Soaco Et à Etoso, à Loulibamio, Magribodjanio Surtout n'abandonne jamais mon Dieu Oh, n'abandonne jamais mon Dieu Chers camarades Je vous demande de vous lever et d'acclamer ici notre président, Charles Blé Goudé, qui a le grand talent de celui d'année qui, aujourd'hui, nous va nous dédier sur ce parcours. Merci beaucoup, camarades, de cette belle initiative. En tout cas, je suis flattée de savoir que la jeunesse et cette génération peut prendre le relais tranquillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosa Parque. Merci. Merci aux parrains. Et je pense que vous êtes là pour une seule chose cet après-midi. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président. Merci, camarade Titi. Merci à Rosa Parque. Merci aux camarades. Jean-Claude, aux camarades de Degramaï, à tous les membres. Merci. Merci. Alors, Félicité, toi qui es la lead vocale, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais un peu dire, nous insulte ce que vous avez chanté pour des personnes qui sont pas bêtées, qui sont parmi nous, ça serait bien. Vous êtes le porte-parole? Venez alors, monsieur le porte-parole. Alors, je vous salue, ça sera très rapide. Alors, ce qu'elle vient de dire, tout le monde veut savoir. Tout le monde cherche le savoir. Tout le monde cherche la connaissance. Qui a la connaissance? Là où on est assis, c'est Charles Blé Goudé. Nous sommes venus. À côté de Charles Blé Goudé, le savoir peut apprendre. Voilà. Merci, bravo, veuillez l'acclamer. Merci. Un porte-parole autoproclamé. Alors, merci. J'étais donc en train de saluer les camarades, membres du bureau, qui sont là, qui sont venus vous soutenir, ils ne sont pas venus vous remplacer. C'est vous qui allez les remplacer. Ils sont venus vous soutenir. Membres du cabinet, membres du comité opérationnel, membres de la direction. En tout cas, il faut encore les applaudir très fort. Si vous voulez saluer le président de la jeunesse projet Europe, il faut acclamer. Je dis que je suis vraiment content d'avoir écouté votre présidente qui est assis au locament pour délivrer son message. Et je suis fier, il faut l'acclamer très fort. Je voudrais dire merci aux parrains, en tout cas, qui vous a soutenu. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis vous-même, merci pour votre patience, parce que je sais que depuis que vous êtes là, depuis le matin, souvent, la technique nous crée beaucoup de problèmes. Et puis, j'avais voulu faire cette rencontre-là en direct sur ma page a été attaquée. Voilà. J'ai fait 1 heure là, on a tout essayé, bon, je l'ai laissé tomber. Quand on essaie sur d'autres pages, ça passe. Quand on, ma page ne passe pas. Bon, donc, ça peut, c'est pas grave. Je vais vous parler. C'est ça aussi le combat. Ça a plusieurs étapes. Donc, merci. Je pense que, comme la jeunesse est là, on espère qu'on aura beaucoup de techniciens parmi vous qui vont essayer de nous donner un genre de bouclier informatique pour ne plus que jamais on vous attaque comme ça. Parce qu'on va très loin, ou du moins on va aller loin. Je voudrais vraiment vous saluer et je vous demande de vous applaudir vous-même. J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. Je salue les filles de Saïwa. Je ne m'attendais pas à elles, mais je n'ai pas du tout été énervé de les entendre. Merci beaucoup. Je suis Charles Blé Goudé, président du COGEP, attendez Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. J'ai reçu la visite de votre présidente, qui était accompagnée de sa secrétaire générale. La vision, la supervision du représentant, me solliciter pour une conférence sur mon parcours, sur ma vision, et sur l'idéologie du COGEP. J'avais dit à Degramaï et à Poulon elle-même que eux pensent que j'étais la personne la mieux placée parler de mon parcours. Mais je n'ai pas voulu verser dans un narcissisme creux. Venir là devant des jeunes gens, parler de moi le plus fort. Donc, souffrez que je ne rentre pas dans certains détails quand je parlais de mon parcours. Parce que je n'ai pas envie d'être narcissique. J'ai toujours été passionné par la politique. J'ai toujours été passionné par m'investir pour les autres, m'engager pour les autres. J'ai toujours été passionné par la communication. Donc aujourd'hui, c'est de cela que nous allons parler. Mais tout cela va englober un thème principal. Quelle société ivoirienne voulons-nous bâtir? Mais comme le thème du jour renforme plusieurs termes, vous avez parlé de mon parcours, de ma vision et de mon idéologie. Donc, je vais procéder par gradation ascendante. On va parler du parcours, On va définir d'abord ce que c'est que PAP. Donc on va définir les trois termes que renforce, que renferme le thème. Parcours, vision et idéologie de Charles Blé Goudé. D'abord, c'est quoi un parcours? C'est quoi une vision? C'est quoi une idéologie? Vous êtes les hommes et les femmes de demain. Colombe l'a dit tout à l'heure, pour notre camarade qui n'est pas venu, parce qu'il soutient le pays compte sur vous. Quand on se retrouve ici, en dehors des grandes foules, on doit apprendre, on doit échanger. Et quand je finirai de définir ce que j'ai à définir, vous aurez le temps de poser des questions. Je suis à vous. Alors, c'est quoi un parcours? Bon, un parcours peut se définir comme un itinéraire, n'est-ce pas? Comme un trajet, comme un chemin qu'une personne a parcouru ou va parcourir. Ou bien, on peut parler aussi de l'ensemble des étapes, des stades par lesquels quelqu'un passe. Mais dans le cas de l'espèce, on parle de la carrière, peut être professionnelle, peut être politique, peut être scolaire, peut être universitaire. C'est ça un parcours. Mais dans tout parcours, il y a une leçon. Alors, quand on a fini de définir un parcours, vous devez parler de vision. C'est quoi une vision? C'est ça aussi. Pour ne pas me tromper, j'ai mis mon ordinateur devant moi. J'aurai le temps de m'adresser à vous sans y toucher. Mais pour les définitions, je ne vais pas vous tromper. Une vision peut se définir comme un idéal que l'on veut atteindre. Une vision peut se définir comme un idéal que l'on cherche à atteindre ou veut atteindre. Une vision, on peut dire que c'est l'image que, par exemple, tu te fais de ta situation future, de ce que tu veux être demain, ou de ce que tu veux ou tu souhaites que la société dans laquelle tu veux vivre soit. Quand on met de côté l'individu et qu'on rentre dans la classe sociale, et qu'on rentre dans un groupement qui soit syndical, politique ou quoi que vous voyez, c'est l'image que tu te fais d'une situation future que toi tu souhaites vivre dans 10 ans, dans 50 ans. Une vision. Je souhaite par exemple que la Côte d'Ivoire soit un pays, une société où règne la justice. Une société où il n'y a pas de corruption. Une société qui donne des chances égales aux citoyens. Où quelqu'un peut être par exemple admis à un concours sans qu'il y ait besoin de connaître le directeur général ou le ministre soit son oncle. Ça, c'est ma vision. Vous voyez? Et la vision en général, elle est mobilisatrice. Elle motive. Parce que tu as ça en ligne de mire. Donc, tu te donnes les moyens, tu te donnes le comportement, la conduite pour y arriver. Voilà ce que c'est qu'une vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il est fade. Il vit comme ça. Quelqu'un qui a une vision, il sait qu'il a des efforts à fournir pour pouvoir réaliser son idéal. On se comprend? Je vous ai donc défini ce que c'est que le parcours, ce que c'est que la vision. Mais il manque un troisième terme. Vous avez parlé d'idéologie. C'est le gros mot, hein. C'est ce qu'on dit souvent. Mais ce n'est pas un gros mot. C'est le socle. Parce que souvent, des gens, parce qu'ils ont parrainé un match de Maracana dans leur quartier, il s'élève, il crée un parti politique. Mais il n'a pas un socle. Il n'avait pas de vision. il n'avait pas d'offre à proposer à sa société à partir de l'existant que lui l'a trouvé faible. Donc il a relevé les limites. C'est ça. C'est toujours un existant dans une société. Et toi, tu observes que cet existant-là a des limites. Donc, tu veux proposer autre chose à partir de ta vision. C'est de ces fondamentaux-là qu'on doit parler. C'est ce que j'ai appelé la fondation de nos sociétés. Est-ce que dans notre pays, on a des gens dont le comportement, dont la conduite, dont la démarche est basée sur une vision, sur une idéologie? En ce sens que l'idéologie est un ensemble d'idées. Un ensemble d'idées, de pensées philosophiques, politiques, propres à un groupe, propres à une classe sociale. C'est ça qui est l'idéologie. On parlera de systèmes d'idées qui forment une doctrine. Laquelle doctrine va influencer votre comportement, va influencer votre démarche, va influencer votre conduite dans la société où vous vivez. Je ne vais pas rentrer dans des définitions qui vont vous perdre. Je préfère vous ramener à vos réalités. J'allais dire à nos réalités. Parce que je ne suis pas extérieur à cette société-là. Vous voyez? C'est ça l'idéologie. Maintenant, on peut vous donner des exemples d'idéologie. Il y en a plusieurs. Si vous voulez connaître l'idéologie du COGEP, donc la mienne, parce que je suis le président du COGEP, vous allez donc vous identifier à cette idéologie parmi tant d'autres. On vous parlera de communisme. C'est une idéologie, une doctrine. On vous parlera de socialisme. On vous parlera de capitalisme. On vous parlera de libéralisme. Et puis on parlera de cette autre doctrine qui est un genre d'appendice sorti du socialisme qu'on appelle la social-démocratie. Vous allez me demander, mais président, c'est quoi le communisme? C'est quoi le socialisme? C'est quoi le libéralisme? C'est quoi le capitalisme? Et c'est quoi la social-démocratie? C'est ça. Mais avant d'y arriver, je vais repartir sur mon parcours. À moi. Parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Il faut qu'on en parle. Je vous avais dit tout à l'heure que je suis Charles Blé Goudé. J'ai fait mon école primaire et j'ai eu mon CP très loin d'Abidjan. Très très loin d'Abidjan. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bouna. Après, à Abengourou, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous trouvez Anibilekro, pour citer les grandes villes, hein. Après Anibilekro, vous trouvez Bondoukou. Et au nord de Bondoukou, vous avez Bouna. Donc c'est au nord-est de la Côte d'Ivoire. Et dans le département de Bouna, vous avez plusieurs sous-préfectures. Moi, j'ai eu mon CP dans la sous-préfecture de Nassin. Et dans un petit village qu'on appelle Gouméré. Là-bas, la voiture vient une fois par semaine. C'est là-bas que moi j'ai eu mon CP. C'est de là-bas que je viens. Je suis bêté, mais j'ai passé toute mon enfance à l'est de la Côte d'Ivoire, au nord-est de la Côte d'Ivoire, chez les Avrons, chez les Koulangos, chez les Lobis. C'est là-bas que j'ai eu mon CP. Après mon CP, j'ai été affecté au collège moderne d'Abengourou. J'ai fait 3 ans à Abengourou, 6e, 5e, 4e. Comme j'étais avec mon grand frère instituteur, on l'a affecté à l'épée. Donc je suis allé faire la classe de 3e à l'épée. C'est là-bas que j'ai eu mon CP. Mon BPC, sorry. Et après mon BPC, j'ai été orienté au lycée classique d'Abidjan. C'était un caïman. C'est comme ça qu'on nous appelait. C'était un caïman. Je suis un caïman. Voilà. C'est comme ça qu'on nous appelait. Le caïman, parce que le caïman, il a les yeux ouverts, il est dans l'eau. Et c'est ceux qui étudient jusqu'à tard qu'on appelait les caïmans. Au lycée classique d'Abidjan, je vous épargne les détails, j'ai obtenu un bac A1. C'est-à-dire un bac mi-littéraire, mi-scientifique. Jusque-là, quand je parle de 6e jusqu'en terminale. Je n'ai pas dit que j'ai repris une classe. C'est important à relever. C'est important à relever. Et puis après, j'ai été orienté à l'université d'Abidjan, Côte d'Ivoire, à Cocotie, au département d'anglais. Vous comprenez pourquoi je parle souvent anglais. J'ai donc eu, après ma licence d'anglais, je suis allé en Angleterre. Là-bas, j'ai voulu faire la politique. Pour faire la communication politique. Malheureusement, en 2002, j'ai dû être obligé de suspendre mes études pour entrer en Côte d'Ivoire quand la mère patrie a été attaquée. J'ai approché mon professeur. Quand je l'ai approché, il s'appelle Paul. J'ai dit, Paul, tous les diplômes que je vais avoir ici, le pays pour lequel je devais les avoir là est attaqué. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Il y a un esprit qui me disait que j'avais quelque chose à apporter. Je ne sais pas quoi, mais voilà. J'ai interrompu mes études et je suis là en Côte d'Ivoire. La suite, vous la connaissez. Je suis allé répondre au battement patriotique de mon cœur. Si vous rencontrez une seule personne dans ce pays-là, qui vous dit qu'il m'a téléphoné, vous dites, Blé, viens, c'est menteur. Je regarde cette caméra-là et je le dis. Si vous rencontrez une seule personne qui dit m'avoir téléphoné en 2002, pour dire, Charles, viens à la guerre en Côte d'Ivoire, et puis tu vas devenir leader, c'est menteur. Si vous épargnez des détails. Et en 2007, quand l'accord de Ouagadougou a été signé, qu'il y a eu la calmie, je voulais être un exemple. Donc, je voulais terminer mes études. Et c'est là que j'ai soutenu mon 2S en communication politique. Devant un jury. Ce n'est pas un devoir que je donnais à un professeur la nuit. Et puis, il a corrigé. Et puis, il a dit, tu as 18. Non. Tel que je suis face à vous, et que mon ordinateur est là, et qu'il y a des écrans. Il y avait les écrans, et dans la salle, et dehors. Parce que le public est venu. Clarisse, tu étais là, non? Le président de l'université de Ouagadougou était là, membre du jury. Le président de l'université de Tunis était là, membre du jury. Le président de l'université de Lyon 2, Lyon-Bordeaux 2, était là, mon Dieu. Et le directeur de mémoire, c'est-à-dire comme mon parrain, c'était le professeur Yahya Diaby, qui était le directeur de, j'allais dire, l'Institut de communication au sein de l'université d'Abidjan. C'était lui qui était mon directeur de mémoire. Et j'ai soutenu devant toute une assistance. J'ai eu mon thème. C'était rôle et responsabilité des médias dans la crise politico-militaire. Rôle et responsabilité des médias dans la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore oublié, que je vais partager avec vous. Le président de l'université de Ouagadougou, quand j'ai fini d'exposer, il m'a posé une question. Il dit, Monsieur Blé Goudé, mais vous avez parlé des médias qui sont responsables. Mais et vous n'êtes en rien responsable de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Et je me rappelle très bien ma réponse, qui attend que, pour ceux qui sont étudiants, vous allez deviner tout de suite, certainement. Il a dit, maître, je suis venu m'abreuver à la source intéressable de connaissances dont vous êtes détenteur. Ils aiment bien ça. Nos professeurs, n'est-ce pas? Mais, permettez-moi de soutenir ma thèse. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, rôle et responsabilité des médias Si vous m'autorisez, après cette soutenance, de prendre un autre thème, qui est rôle et responsabilité des hommes politiques, c'est pas agréé de moi. Pour le moment, on parle des médias. Comme si c'était hier. À cette soutenance, la plupart des personnalités en Côte d'Ivoire étaient là, quand j'ai soutenu. Après ça, c'est vrai d'avoir un diplôme, il faut le valoriser. J'ai moi-même ouvert mon cabinet de communication. Leaders Team Associated. Vous voyez que là-dedans, il y a leader. Ma vision même apparaît dans la dénomination de mon cabinet. C'est un cabinet de consultance. Il y a des hommes politiques en Côte d'Ivoire que je vois aujourd'hui. Ils venaient me consulter, moi, dans mon cabinet. Ils viennent, ils payent. Et puis je les prends. Et puis voilà, je leur fais des media training. C'est ça mon travail. Parce que vous voyez, je suis politicien. Ce n'est pas un travail. Tu es là à l'école, tu as appris quoi? Tu fais quoi? Parce que les gens pensent que... J'ai entendu un jour quelqu'un dire, oui, avant de diriger la Côte d'Ivoire, il faut avoir travaillé. Parce que dans son subconscient, travailler veut dire être fonctionnaire d'État. Salarié. Moi, j'avais des salariés. Voilà. Moi, je n'étais pas salarié. Moi, j'avais des salariés. Je payais les impôts en Côte d'Ivoire. Je faisais vivre des familles. Pas par de l'argent que quelqu'un me donnait. Et ça, c'est important. Mais par la sueur de ma vie. Je travaillais. Je restais souvent au bureau qu'à 3 h du matin. Ça ne m'empêchait pas d'aller faire des meetings. Hein. Je devais travailler. Au plan politique, on venait me consulter. Et au sein de Leaders Team Associated, il y avait une branche culturelle. Et je suis le concepteur exclusif de la Nuit du Zouglou. En Côte d'Ivoire. À la Nuit du Zouglou, on ne cherchait pas à savoir s'il y allait avoir du monde ou pas. C'était comment gérer le monde qui allait venir. Le concept était devenu une marque déposée. Parce que je n'ai jamais voulu être un bébé au dos. Parce que le bébé au dos, il ne sait pas que la route est longue. Je n'ai jamais voulu être un sac au dos. J'ai toujours voulu, que ce soit politiquement, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la famille, j'ai toujours voulu, comme le fleuve, faire mon propre lit. Je vous le répète aujourd'hui encore, chers jeunes. Et prenez ça comme exemple. Je peux voir des gens emprunter une autoroute. Ils peuvent être nombreux. Et moi, je suis capable d'emprunter un chemin pour en faire une autoroute qui apporte ma signature. Et je n'ai pas peur d'oser. Quand tu oses, tu peux perdre. Quand tu n'oses même pas, tu as déjà perdu toi-même. Voilà. Sur le plan universitaire et professionnel, qui est Charles Blé Goudé. Au plan politique. Je ne sais pas si je veux parler de ça, si on peut quitter ici aujourd'hui. Au plan politique, j'ai milité à la FESCI, qui est la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Alors, j'étais au lycée classique d'Abidjan. Les grèves avaient commencé, mais je n'étais pas dans le bureau. Mais le bureau ne pouvait pas se passer de moi. J'aime bien ça, souvent. Et puis, notre secrétaire général de la section du lycée classique d'Abidjan, lui, il était en terminale. Nous, on était encore les petits. C'était nos doyens. On disait que les grands frères étudiants venaient souvent nous voir, les hippomartiales, les vieux hygiènes venaient nous voir. Mais réellement, j'ai commencé à militer quand je suis allé à l'université. J'ai été donc orienté à l'université. Quand je suis arrivé, la direction de toute la FESCI venait d'être arrêtée. Aïpo Marcel en prison, Mabdega en prison, tout son bureau en prison. Et ceux qui étaient là disaient qu'ils cherchaient un noyau de jeunes étudiants pas trop connus qui pouvaient prendre la relève. C'est la première fois qu'on me donne un micro pour parler devant une foule. Nous sommes à la cité universitaire de Hibourg. Quand il y a un meeting, c'est des milliers d'étudiants qui sont dehors. Et moi, je dois prendre la parole. Je n'ai pas à vous mentir, j'ai beaucoup tremblé. Mais les doyens qui étaient là m'ont dit, vas-y tu peux. Et j'ai pris la parole. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais laissé le micro. J'étais deuxième secrétaire à l'organisation de cette section. Et après, quand j'ai commencé à faire mes pas, ils m'ont nommé secrétaire à l'information de la section. Ensuite, ils m'ont nommé secrétaire à l'organisation de la section. Et quand Guillaume Soro a été élu secrétaire général, il était opposé à Damana Picas, dont j'étais le directeur de campagne. Et Guillaume Soro nous a battus de 3 voix. Et dans l'intérêt du mouvement, nous nous sommes réunis. Et moi, j'ai été son secrétaire national à l'organisation dans tout le bureau national. Et quand son mandat est fini, j'ai candidaté. Lui, son candidat, c'était Karamoko Yayoro. On était 6 candidats. Ma peur, c'était que si on va à un deuxième tour, ils vont faire coalition, on va gagner. Il n'y a pas eu de deuxième tour. Je les ai battus au premier tour. Voilà. C'était le 30 décembre 1998. Que j'ai été élu. 30 décembre 1998 que j'ai été élu. Secrétaire général de la FESCI au niveau national. J'ai fait 2 ans, comme les textes précis. Je n'ai pas fait 1 an de plus. J'ai fait 2 ans. Et quand j'ai fini mon mandat, en 2001, précisément le 4 juin 2001, j'ai créé le Congrès des jeunes patriotes, COJEP. Congrès panafricain des jeunes patriotes. C'est ça, COJEP. En ce temps, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'était dans un maquis, non loin de la maison de ma tante où j'habitais au plateau de Cuy. Le maquis s'appelle Quitte dans ça. On était 9. 9. Et après les élections, il fallait maintenant aller implanter le COJEP, convaincre les autres de nous rejoindre. Et dans notre texte, le COJEP est un mouvement de pression. Notez-le très bien. Le COJEP qui a été créé le 4 juin 2001 était un mouvement de pression. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit que le COJEP est un groupe de soutien, vous dites que vous m'avez rencontré ici aujourd'hui, 18 septembre 2021, ici à La Haye, soit 20 ans après la naissance du COJEP, et que je vous ai dit que le COJEP était un groupe de pression. Ce n'est pas un mouvement de soutien. Voilà. Quand nous sommes allés à d'autres congrès des années plus tard, certains camarades qui commençaient à avoir un certain âge m'ont approché pour me dire, ah, président, le COJEP là, c'est le Congrès panafricain des jeunes patriotes. Et nous, les vieux patriotes, on fait comment? On peut être vieux et être patriote. Et à ce congrès-là, la dénomination du COJEP a changé. C'est devenu le Congrès panafricain des jeunes et des patriotes. Pour permettre à nos camarades de ne pas être exclus. Et on a éliminé l'âge limite qui était au sein du COJEP. Pour permettre à tout le monde de militer. C'est l'astuce qu'on avait trouvée. Nous avons mené notre combat auprès des autres mouvements comme on le pouvait. Pour préserver les institutions de la République. Nous avons dit au COJEP que nous sommes contre la prise des armes comme moyen de conquête. On l'a dit hier. On le dit aujourd'hui. On ne l'a pas dit parce que mon mentor était au pouvoir. On le dit par principe. Parce qu'on ne prend pas les positions selon nos petits intérêts du moment. Quand tu es contre la prise des armes, tu es contre la prise des armes. Point barre. Même si c'est ton grand frère qui prend les armes, tu dois t'opposer à lui les menus. C'est de ça qu'il s'agit. Même si celui qui prend les armes dit qu'il prend les armes pour que toi qui bénéficie du pouvoir ait le courage de lui dire non. Ça, c'est contre mes principes. C'est ça, non. Voilà. Et nous avons mené notre combat. Je ne dis pas, j'ai mené un combat. Ce serait trop prétentieux. Il y avait beaucoup de mouvements. Et ce n'était pas le COJEP qui dirigeait tout ce mouvement. C'était l'alliance des jeunes patriotes que j'ai mis en place. Parce que quand je rentre d'Angleterre, que je viens en Côte d'Ivoire, je ne prends pas le COJEP comme instrument de combat seulement. J'ai approché d'autres leaders. Et j'ai approché d'autres mouvements. Et ensemble, nous avons mis en place l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. Qui était un mouvement transversal. C'est-à-dire qu'il allait au-delà des frontières politiques. Tout le monde y était, au début. Il y avait aussi des personnalités du sport, comme Théi Joël, de la musique, comme Serge Cassi, des patrons de presse, comme Père Sonam, Tape Koulou Laurent, du PIT, comme Kone Rassoul, Kone Seydou, qu'on appelle Rassoul. De la FESCI, en son temps dirigée par Jean-Yves Digbepieux. De la Sorbonne, d'Akouri Richard, à Ouastalon. C'est l'histoire. Il faut être précis. Il ne faut pas exclure le nom de quelqu'un parce qu'il ne l'aime plus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est l'histoire. On appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Il ne faut pas traverser l'histoire. Il y avait Konaté Navigué, qui représentait en ce moment le parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien. On était nombreux. Je n'ai pas une liste ici. Il y avait Richard Dakouri de la Sorbonne, que je salue au passage, qui est aujourd'hui devenu COJEP. Ne vous l'avez pas encore vu, il arrive. Parce que je continue de recruter. Il faut l'applaudir. Voilà. Et plus tard, l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national est devenue l'Alliance des jeunes patriotes. C'est sous ce mouvement-là que nous avons mené la résistance contre les armes en Côte d'Ivoire. C'est sous ce mouvement-là que nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire contre les armes, les menus. Quand j'en parlais, beaucoup pensaient que je le faisais parce que j'étais proche du président Laurent Gbagbo. Et pourtant, ce n'était pas principe. Aujourd'hui, je suis content que tout le monde est d'accord que les armes, ce n'est pas bien. Je suis content. Ceux qui n'ont pas compris hier, ont compris aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Chers amis, ce qui s'est passé, c'est passé. Les élections ont eu lieu en 2011. Mon candidat et moi, on a été pris et on a été amené à la haie ici. Lui, d'abord, il a été arrêté. Il a été amené en Koulangos. Moi, je suis allé en exil au Ghana, comme toutes les autres personnalités pour Gbagbo. Nous tous, on était là-bas. Voilà. Nous tous, on est allé préserver notre vie au Ghana. C'est pas moi seul, je suis parti. Parce que souvent, j'entends les gens dire, oui, Blé Goudé a fui. Nous tous, on a fui. Voilà. C'est vrai qu'il y a un qui a fui avant l'autre. Mais c'est que nous tous, là, on a fui. Et puis moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai fui face à des armes. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas honte de dire que j'ai fui face à des armes. Les jeunes de Côte d'Ivoire, je n'ai jamais voulu faire d'eux une chair à canon. Jamais. De 2000 jusqu'en 2011, je les ai mobilisés autour d'une philosophie, les mains nues. Or, ceux qui étaient en face, qui venaient, ils avaient les mains très chargées. Donc, moi, je ne suis pas militaire. Le rôle d'une jeunesse civile, ce n'est pas de faire la guerre. C'est les militaires qui sont formés pour faire la guerre. Quand tu aux militaires, sans que tu aies le droit d'avoir une arme, on t'appelle milicien. Et c'est mon refus d'être un milicien qui nous a libérés ici à la haine. J'ai dit au procureur, je l'ai regardé droit dans les yeux, comme on dit à Abidjan, papa. J'ai dit au juge, je mets le procureur au défi de me trouver une seule vidéo. Je n'ai pas dit deux, j'ai dit une seule vidéo où moi, Charles Blé Goudé, je suis en train de dire à des gens de prendre des armes pour les combattre. Où je suis en train de dire à des chrétiens d'aller tuer des musulmans. Où je suis en train de dire à des pro-Gbagbo d'aller tuer les pro-Ouattara ou les pro-Bédié. Je lui ai dit que je le mets au défi. Parce que moi, j'étais convaincu qu'un homme, le président Gbagbo l'a dit, quand il marche, il laisse des... Moi, j'ai ajouté, il laisse des traces, mais il ne laisse pas des taches. Et moi, je n'ai pas laissé des taches. Donc, je savais de quoi je parlais. Je suis resté là 5 ans. Jamais aucune vidéo n'a été montrée où moi, on me voyait en train de dire à des gens, allez-y, tuer d'autres personnes. Conclusion, j'ai été acquitté. Mais, voyez-vous, dans tout ce que je viens de vous dire, j'ai été emprisonné 9 fois. Je suis dans la 9e arrestation et détention. Mais ça, c'est avec un galon international. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, un homme, il doit assumer ses convictions. Quand je suis arrivé ici, mes vidéos sont disponibles sur YouTube. Mes vidéos sont disponibles sur YouTube. C'est archivé. Vous pouvez les consulter. Et c'est par là que je vais venir. Parce que tu peux avoir une idéologie. Tu peux avoir la plus grande offre politique. Mais si tu n'as pas de valeurs, chers amis, tu ne peux aller nulle part. Vous venez donc d'écouter mon parcours scolaire universitaire. Mon parcours professionnel. J'ai oublié parce que j'ai été nommé ministre en 2011. J'ai été nommé ministre en 2011, ministre de la Jeunesse, voilà, et de l'Emploi. J'avais mes idées. Elles étaient nettes. Et ça fait ce que je voulais faire avec les jeunes et pour les jeunes. Mais j'ai plutôt dit, mon slogan c'était ça aux jeunes. C'est que je voulais faire avec vous. Et non, c'est que je veux faire pour vous. Tous ceux qui ont toujours dit aux jeunes de Côte d'Ivoire s'ils allaient faire quelque chose pour eux, leur ont menti. Moi, je dis ce que j'allais faire avec vous. C'est-à-dire avec votre participation, avec vos idées. Et ensemble, on allait étonner le monde. Hélas, les circonstances de la vie en ont décidé autant.